2 400 000 hommes passent sur la voie sacrée reliant Bar-le-Duc à Verdun entre le 21 février et le 18 décembre 1916. 3000 véhicules vont parcourir 1 700 000 km sur la voie sacrée, soit 42 fois le tour de la Terre. 3900 convois sanitaires permettent de transporter les blessés. 713 000 hommes sont morts pendant la bataille de Verdun. Thank you.
L'artillerie lourde française se situe au bois Bourru. Il faut aller jusqu'à Moulin Brûlé, à 12 km, pour s'approvisionner en obus. Mitrailleuse Hotchkiss, modèle 1914. Avec une vitesse pratique d'environ 400 coups par minute, cette arme fiable et robuste équipe progressivement les unités d'infanterie françaises et les premières unités américaines. Fusil mitrailleur Dishosha, modèle 1915. Ce fusil automatique évite d'avoir à recharger manuellement et permet une bonne rapidité de tir, 120 coups par minute.